Bernard Tapie enfin lut le livre que l'auteur Franz-Olivier Giesbert lui a consacré. Pourtant, cela semble ne pas avoir plu à l'homme d'affaires, qui n'a pas hésité à le faire savoir. Une chose semble être certaine, c'est que Bernard Tapie ne risque pas de garder dans sa bibliothèque que le livre qui lui a été dédié par Franz-Olivier Giesbert. Il n'a pas caché son dégoût après l'avoir lu. Bernard Tapie le 27 juin 2005. Photo, Getty Images. Il n'a pas été convaincu il y a quelques jours. Franz-Olivier Giesbert a proposé sur le marché le livre « Les leçons de vie, de mort et d'amour ». Ce livre est entièrement sur Bernard Tapie, et bien évidemment, celui-ci avait hâte de lire son contenu. Après l'avoir fait, il faut dire qu'il n'a pas du tout été convaincu. Bernard Tapie lors d'une suspension de sens au tribunal de Paris, à Paris, en France, le 4 avril 2019. Photo, Getty Images. Franz-Olivier Giesbert n'est pas tapiste ou dipart, comme il l'a révèle le 16 juin 2021 au micro de France Inter. Ce livre n'était donc pas pour chanter les louanges de l'homme d'affaires, mais plutôt de mettre en avant quelqu'un qui a des leçons à donner en fin de vie. Travaillant avec Bernard Tapie, l'auteur avait ainsi décidé de lui envoyer le livre à l'avance pour qu'il donne son avis. Bernard Tapie. Photo, Getty Images. Il arrête au bout de la page 3 ou 4 en disant « Je ne peux pas continuer, car me donne envie de vomir », a confié Fogg. Bernard Tapie se porte-t-il bien? Bernard Tapie considère comme un professionnel de la survie par Franz-Olivier Giesbert, mène en effet un rude combat contre la maladie, mais également contre la justice. Il se bat actuellement contre son cancer, qui s'est récemment propagé dans d'autres organes. Bernard Tapie. Photo, Getty Images. Les dernières nouvelles de son état de santé ni par son fils ne sont que rassurantes. De nouvelles tumeurs sont apparues, telles que révélées par Laurent Tapie, et Bernard est également accusé pour détournement de fonds publics. Bernard Tapie. Astuce utilisée pour séduire sa femme dans toutes les mésaventures endurées par Bernard Tapie, celui-ci a toujours pu compter sur le soutien de son épouse, Dominique. L'homme d'affaires a d'ailleurs partagé son astuce pour séduire celle qui allait devenir l'amour de sa vie. Bernard et Dominique Tapie. Getty Images. Ne manquez plus rien, envoie bon an à mon mame sur Google News.